Si on me demandait aujourd'hui quel est le candidat favori parmi les cinq qui sont en lice pour les élections présidentielles de 7 mai, sans hésitation, je vous réponds le président Hassan Gouled Abtidon, parce qu'il est le dénominateur commun entre tous les Djiboutiens, quelles que soient leurs communautés, leurs croyances et leurs idéologies. Et si personnellement je soutiens sa candidature, c'est parce que j'estime qu'il est le seul qui soit capable aujourd'hui de sortir rapidement le pays de la situation difficile actuelle et instaurer la paix, la réconciliation nationale et la concorde entre les différentes communautés. Je formule surtout le vœu que Hassan Gouled, réélu, soit le président de tous les Djiboutiens et œuvre pour corriger les erreurs qui ont été commises par le passé, comme il s'est d'ailleurs lui-même engagé à le faire lors de l'un de ses discours à l'occasion de l'Id el-Fitr. Sachez qu'au-delà de leur filiation à tel ou à tel parti politique, de très nombreux Djiboutiens de souche se retrouvent autour du président Gouled. J'en fais partie, c'est la majorité présidentielle nationale. En conclusion, je lance un appel solennel à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens à voter Gouled, père de l'indépendance, architecte de la démocratie, pour qu'il achève l'œuvre qui s'est engagée à réaliser le 27 juin 1977, c'est-à-dire l'unité, l'égalité et la paix. Mesdames et messieurs, je vous remercie et j'ai l'honneur de vous saluer. Ah,